L'intelligence artificielle est appelée à modifier les sociétés de l'homme comme aucune autre innovation auparavant. On est submergé par le big data, qu'on appelle même l'infobésité, l'infopollution. Ça demanderait des jours, des mois entiers à des équipes de documentalistes de rechercher l'information pertinente pour une entreprise. Avec l'IA, on peut le faire en quelques secondes. Et c'est ça que promet l'intelligence artificielle, c'est de nous augmenter pour faire encore mieux ce que nous faisons et consacrer plus de temps à la relation humaine. On est en place d'un déficit juridique, il va falloir construire des règles. L'éthique est inframorale et suprajuridique, elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire. Mais il faut aujourd'hui dépasser une intelligence artificielle qui n'est plus uniquement dans les laboratoires de recherche et développement. L'IA depuis 1956 a eu beaucoup de phases différentes, dont des phases qu'on appelle des hivers de l'IA. Et quand il y a un hiver de l'IA, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas dessus, il n'y a plus de funding, il n'y a plus de sous. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est à force de raconter n'importe quoi sur l'IA, c'est qu'on rentre dans un nouvel hiver. Et si on rentre dans un nouvel hiver, on va malheureusement arrêter ces recherches qui sont extraordinaires et potentiellement extraordinaires, juste parce que quelques-uns décrivent l'IA comme quelque chose qu'elle n'est pas. La techno, elle est là, elle est utilisée dans plein de contextes différents. C'est à nous, acteurs qui concevons ces technologies-là, c'est aux organisations qui utilisent ces technologies de réfléchir au cadre, encore une fois, d'usage pour que l'on soit respectueux des libertés individuelles, respectueux de chacun et surtout désireux de développer une IA qui soit diverse et inclusive. Pour l'INSECT, il est important aussi de se positionner sur les problématiques de l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'elle revêt une importance capitale dans notre société, mais aussi dans le monde de l'éducation. On a réuni un plateau exceptionnel l'année dernière, mais encore cette année, avec des compétences et des expertises qui sont de premier plan et qui permettent de voir un peu cette diversité de l'intelligence artificielle au sein de nos organisations.